Précédemment. Luc et le professeur poursuivent leur enquête dans le village afin de trouver la pomme d'or. Après avoir parlé à des proches du baron, ils visitent la tombe de Violet Reynolds. De plus, Layton et Luc mettent la main sur une partie du journal intime du baron. Néanmoins, ils ne parviennent pas à comprendre ce qu'est exactement cette pomme d'or. La tour menaçante qui domine le village intrigue fortement le professeur. Désireux d'en apprendre davantage à son sujet, Layton et Luc se dirigent vers cette tour. Let's go, Clémentine, etc. Top tier. J'avoue que Clémentine, c'est très bon. Trouver la route de la tour. Ah, là, il faut aller à la tour. On va aller à la tour. Ah, il y a une énigme. Lui, il a une énigme. Lui, c'est Ryan. Ah, lui, c'est Ryan. Ryan, c'est toi. Oh, bonjour. Bonjour, messieurs. Comment avance votre enquête? J'imagine que ce n'est pas toujours drôle de passer sa journée à poser des questions à tout le monde, voyons. J'ai une RS4 Grinardo, voyons. Je vous propose une petite énigme pour vous divertir avec ma RS4 Grinardo. J'ai une piscine aussi, attention. Alors, propos fallacieux. Exactement comme cela que je m'exprime, effectivement. J'en étais sûr. Attention, Victonic, écoute. Oh, Victonic, est-ce que t'es prêt? Voici une énigme très célèbre. Sans tricher, bien sûr, hein. What the fuck? Pourquoi j'ai One Piece toujours d'ouvert là? Il fait du bordel. Ta gueule. Hop. Voici une énigme très célèbre. L'une de ces trois personnes dit la vérité, tandis que les deux autres sont en train de mentir. Ok, ça on l'a eu plusieurs fois. Du coup, mon cerveau, normalement, il est prêt. En vous basant sur ce qu'ils disent, pouvez-vous déterminer celui qui dit la vérité? A. Je ne mens jamais. Ok. B. A est un menteur, c'est moi qui dis la vérité. C. B dit n'importe quoi, je dis la vérité. Victonic, sors ton gros cerveau, c'est ton moment. Une personne dit la vérité, alors que les deux autres sont en train de mentir. La A dit « je ne mens jamais ». La B dit « A est un menteur, c'est moi qui dis la vérité ». C dit « B dit n'importe quoi, je dis la vérité ». J'ai la réponse, c'est facile. Non, c'est pas une chance sur trois. Tu sais qu'une personne dit la vérité. Du coup, tu te dis, il y a deux personnes qui mentent. En fait, il faut que tu trouves... En fait, ça va être... Si je t'explique, je vais te spoiler la réponse. Faut précéder par élimination, c'est ça. En gros, il faut que tu regardes ce que disent les deux personnes. Et il y en a deux qui vont se contredire et qui vont se dire, en gros, que c'est pas un menteur et tout. Mais moi, j'ai la réponse, c'est sûr. Big Brain, Slow, bonsoir. T'as perdu ton somme, mec, tu feras attention. Je répète, le A dit je ne mens jamais. Du coup, le A dit je ne mens jamais. Ok? Le B dit A est un menteur. C'est moi qui dis la vérité. Ok? B dit A est un menteur, c'est moi qui dis la vérité. Et C dit B dit n'importe quoi, je dis la vérité. Tu sais qu'il y a deux menteurs. Du coup, A dit que c'est un menteur. Tu peux limite esquiver A. Et C dit je dis la vérité. Je dis B. Tu dis B, est-ce que c'est ton dernier mot, Victonic? Bah Reza, j'attends le resub. Oh what the fuck, tu t'es sub au full bruiteur? C'est ton dernier mot ou pas? Réfléchis bien. Première fois que je vois ce jeu perso. Ah mais c'est un jeu sur DS tard l'époque. Subgif, ouais. C'est beau, c'est beau. Je suis un rail, oublie pas. B comme boobs, c'est une bonne intuition. Pour moi, je vais dire la vérité, Victonic. Ah, je suis un rat, ouais. C dit pas que B est un menteur, donc... Pour moi, c'est C. Parce que tu sais qu'il y a une personne qui dit la vérité et deux personnes mentent. Ça veut dire que A dit je ne mens pas, je ne mens jamais. Ah non, attends. A dit je ne mens jamais. Ah non, mais c'est B. C'est B, bien vu, c'est B. C'est B. Ah, je rigole, c'est B. Parce que A dit que c'est, il ne ment jamais. Du coup, c'est un menteur. A, B dit que, en gros, A dit qu'il ne ment jamais. B dit que A est un menteur. Si B dit la vérité, en gros, il dit que A est un menteur. Du coup, A, il ment sur sa phrase. Du coup, c'est un menteur. Et du coup, il dit que c'est la vérité. Et C dit que B dit n'importe quoi.
et je dis la vérité. C'est dur à expliquer, mais c'est B. B comme bout de sardine, c'est ça. Et toi, C comme con, pas Big Brain. Non, my bad. Y a quelqu'un qui disait... Mystère, il disait C. Mais c'est B, c'est B. C'est dur à expliquer, mais j'ai le truc. Si c'est pas ça, je ban Vic. Bien joué, Vic, tu n'es pas ban. Grâce à ton gros cerveau. Bah, c'est pas dur. A et C, il y a deux vérités. Ouais, mais en fait, j'avais mal lu un truc. En fait, pour moi, le premier disait qu'il était menteur. Et en gros, le B disait que du coup, il ment. Et puis voilà. J'avais mal lu un truc. Bien joué. Bien joué, Victonic, tu ne seras pas ban. Ryan. Eh bien, j'imagine que c'était encore trop facile. Vous voyez, je prépare un roman à suspense et je compte m'inspirer de vous pour mon héros. Voilà pourquoi je vous observe de si près. Chaque détail peut servir à l'intrigue. Allez, bonne chance dans votre enquête. Je ne serai pas loin. Je serai dans ma RS4 Grinardo. Donnez 5 euros, non. Narrateur de qualité, merci. Waouh. Il n'y a rien de bon à dire sur cette... Ah non. Il n'y a rien de bon de dire à dire sur cette tour. Un peu à dire ma phrase. Elle est vraiment effrayante. Ne vous en approchez pas. Ok mon bœuf. Faut que je trouve le chemin vers la tour. Il y a elle. Elle a dit quoi encore? Ça vous amuse de courir partout en essayant d'aider les gens? Vous devez peut-être un idiot, non? Salope. Quoi? Fan le riche. Eh bien, ça c'est Souchoui. Eh bien, se mettre en colère, ça creuse, je meurs de faim. Ok mec, m'en fous. Faut que je trouve un endroit pour aller vers la tour. Est-ce que c'est ouvert là? Toujours pas ouvert. C'est encore verrouillé. Putain, c'est encore verrouillé, mais faut aller se faire foutre un moment. What the fuck, il y a un archer en haut? Je sais pas où il est l'archer. Je n'ai jamais vu à quoi où il était l'archer, putain. Ok, c'est bon, t'as embauché. Let's go. Non, j'ai fait toutes ces énigmes. On va retaper pour voir. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'animaux dans le village. Mon cher Luc, je vois que tu aimes vraiment les animaux. Oh! Ah non, merde, j'ai cru qu'il allait nous lâcher une énigme. Fuck. Fuck, fuck, fuck. La nuit, il y a un archer. Adria est très gentil, mais ces énigmes sont vraiment difficiles. T'inquiète. Comment on va à la tour là? Oh, elle. Elle est bizarre à pointer du doigt là. Oh, vous voilà. Oh, vous voilà. Je ne pourrai vous prédire l'avenir que lorsque vous aurez résolu l'énigme. Let's go les gros cerveaux les gars. Gros cerveau, gros cerveau. Une vitre cassée. Oh, encore un truc à choix. Oh, the fuck, le doubleur de qualité. Eh, merci, merci. Attention, Victonic, ton gros cerveau. Quatre enfants étaient en train de jouer quand l'un d'entre eux a malencontreusement lancé la balle à travers la vitre de votre salon. Voici ce qu'ils ont à dire. A. C'est pas moi, je n'ai rien cassé. B. C'est moi qui ai cassé la vitre. Non, il le dit, c'est moi qui ai cassé la vitre. C. A n'a rien fait, je vous le jure. D. B n'a pas cassé votre vitre, promis. Vous savez pertinemment que le coupable vous ment. Ce n'est néanmoins pas le seul menteur et vous ignorez combien de ses camarades disent la vérité. Arriverez-vous à deviner qui a cassé votre vitre? Fais-moi de réfléchir, j'ai pas les gâteaux, je suis grognon. Quoi? J'ai pas mes gâteaux. C'est C là, car A est obligé de dire ça, E-A du coup. Alors, A dit c'est pas moi, je n'ai rien cassé. B dit c'est moi qui ai cassé la vitre. Du coup, B se balance. C dit A n'a rien fait, je vous le jure. Et D dit B n'a pas cassé votre vitre, promis. En gros, il y a un garçon, lui il dit qu'il a pas cassé, lui il dit qu'il a cassé. Il y a une fille qui défend un garçon, du coup C qui défend A, et D qui défend B. Sauf que vous savez pertinemment que le coupable vous ment. Ce n'est néanmoins pas le seul menteur et vous ignorez combien de ses camarades disent la vérité. Arrivez-vous à deviner qui a cassé? C'est D. Pour moi, c'est D. Des origines africaines, c'est lui. Ah, il a une tête d'enfant, un problème. En gros, pour moi, A dit la vérité. Et C dit la vérité en mode, A n'a rien fait, je vous le jure. Elle l'a juré quand même.
B dit c'est moi qui ai cassé la vitre. Pour protéger C. Pour protéger D plutôt, qui dit B n'a pas cassé votre vitre, promis. Du coup, moi je suis sûr, c'est un mec qui voulait défendre son amoureuse. Du coup, B qui défend D. Du coup, c'est D qui a cassé la vitre. Voilà mon hypothèse. C'est gros joue là. C'est vrai qu'il. Il est comme ça. C'est une meuf D. Ouais, pour moi, C et D sont des meufs et A et B sont des mecs. Pour moi, ça serait ça. Non, pas vous. Vous, pour vous, c'est qui? Relis la fin, l'avant-dernière phrase. L'avant-dernière phrase. Vous savez pertinemment que le coupable vous ment. Ce n'est néanmoins pas le seul menteur et vous ignorez combien de ses camarades disent la vérité. Arriverez-vous à deviner qui a cassé votre vitre? Oui, il y en a plusieurs qui mentent. D est contre tout le monde, donc c'est pas lui. B n'a pas cassé votre vitre, promis. Comment ça D est contre tout le monde? C'est aucun de S. Je pense A, B et C mentent. C'est C ou D. Après, je sais pas qui a cassé. Je dirais B, C. Mais il y en a que un. De toute façon, il y en a que un qui a cassé. Hein. Attention. Mais je comprends pas le fait de D est contre tout le monde, donc c'est pas lui. D a juste dit B n'a pas cassé votre vitre, promis. À aucun moment, il a... Comment ça, il est contre tout le monde? J'ai pas compris le contre tout le monde. C'est pas moi, j'ai rien cassé. C'est... A n'a rien fait, je vous le jure. C'est moi qui ai cassé la vitre. B n'a pas cassé votre vitre, promis. B a pas cassé la vitre, ça nique la version de tous les autres. Ah oui, si B n'a pas cassé la vitre, du coup ça nique la version de tous les autres. Bah non, en gros non, pas obligé. Si B n'a pas cassé la vitre, ça peut être D qui a cassé la vitre. B a juste dit que D a juste dit que B n'a pas cassé la vitre. Mais à tout moment ça peut être D. Ils font la technique qu'on a tous fait, ils font semblant de protéger quelqu'un d'autre. A ou C pour moi. En vrai c'est compliqué, j'arrive pas à voir celle-là. Moi, j'y vais à une prochaine. Vas-y, bisous, Mystère. No joke, j'y arrive pas. Pour moi, je sais pas pourquoi j'ai un pressentiment sur D. Après, ce n'est normalement pas le seul menteur et vous ignorez combien de ses camarades disent la vérité. Tout le moment, il y a trois personnes qui mentent. Du coup, ABC, comme tu dis, Johan. Et du coup, ça serait A le coupable. Mais A à la tête de racaille, tu vois. A à la tête de racaille. Mais je sais pas pourquoi j'ai un pressentiment que c'est D. Et en gros, B protège D. Perso, j'aurais dit A ou C. Si c'est D, il n'y a pas d'autre menteur. Mais en soi, c'est dit. Je ne sais pas le seul. Ce n'est pas le seul menteur. Ah, le coupable vous ment. Ah, vous savez pertinemment que le coupable vous ment. Ah, attention, le coupable nous ment. Mais du coup, ça peut pas être C et D. Attends. Le A, on dirait, il a envie de rigoler. Non, il a juste trop mangé. Je pense A casse et B et C mentent et D dit la vérité. Bah, ouais, mais ça serait trop facile. Il a la tête de racaille. On partirait tous sur lui, mais je suis sûr que c'est pas ça. Le coupable ment forcément. Donc ça peut pas être B. Ouais, Si, ça peut être B. Mais B, si. Ah oui, c'est ça. Mais en fait, ouais, le coupable ment forcément. Du coup, maman. Du coup, B, s'il ment pas, il a pas cassé la vitre. Mais le coupable ment. Du coup, c'est pas B, vu qu'il dit la vérité.
vu que D dit la vérité. Vu que B, s'il ment, bah, il se balance. Bah, il se balance pas. Du coup, c'est soit A, soit C. Bah, je partirais sur... Ah, du coup, ça serait A. A n'a rien fait, je vous le jure. Du coup, C ment. Faut se dire que quand on rencontre une énigme, on dessine les... pas les persos, c'est juste une illusion. Ouais, je sais, mais... B ment, mais c'est pas lui. Vas-y, on part sur A. On part sur A. Merde! That should do it. Ok, c'est ça. C'était ça. On est parti trop loin. J'avoue que... Je pensais pas que ça allait cliquer directement. Mais j'avoue que... En vrai, en première proposition, j'aurais dit A. Mais après, en me posant, en essayant de réfléchir pourquoi, j'aurais vraiment d'idées. Et après, en comprenant bien la phrase, on a fini sur A. Mais j'avoue qu'en première proposition, voilà, dehors la racaille. J'avoue qu'ils l'ont dessiné en racaille, par contre, ça c'est abusé. Il y aura un vrai déluge demain. Attendez votre lin, étendez votre linge à l'intérieur si vous voulez qu'il sèche. Ok, Galarus. Il avait raison, Vic. A, c'est ment, et B dit la vérité, donc D aussi. Vous ne voulez pas acheter un peu d'eau? Un peu de veau? Le prix vaut vraiment le coup. Putain, il est drôle, ce ref. Putain, je peux le retrouver, là. On dirait Victonic. Oh, c'est la tour! Let's go, on s'approche de la tour. J'ai trouvé un chemin vers la tour. Oh, une nouvelle personne. J'avais tort, mais c'est parce que j'ai pas mes gâteaux. Ah, c'est quoi comme gâteau? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un morceau de papier. Luc, lis-le. Lis-moi ce qui est écrit, tu veux bien? Ok, waf waf. Ah. Pardon. Quand j'ai faim, je suis con. Bon, même quand on t'a pas faim, mec, t'es con tout le temps. Depuis la mort de Violette, le patron n'est plus que l'ombre de lui-même. J'ai encore décidé d'en fabriquer un en hommage à Violette. Je suis sûr que cela lui redonnera le sourire. Mais oui, je comprends maintenant. Alors ce serait lui l'auteur du mystérieux journal? J'ai travaillé d'arrache-pied pour redonner le sourire au patron. Quand je regarde Saint-Mystère, je vois un village prospère et vivant. Avec autant de villageois pour lui tenir compagnie, il pourra peut-être être heureux à nouveau. C'est la fin de cette page, professeur. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez l'air soucieux. Je ne peux rien affirmer pour le moment, sinon que tout ceci va plus loin que je ne le pensais. C'est une ville automatisée. C'est tous des robots. Je veux mettre Daily Shock. Insulte pas Luc Coat. Pardon. C'est tous des robots. Je suis sûr, c'est une connerie comme ça. C'est tous des automates, des robots. Merci, Martha. Eh bien. Là, on se fait sur la langue. Je n'ai pas tous les fours qu'on rencontre un bel homme comme vous. Vous êtes un élégant. Vous êtes élégant. Mais j'espère que vous savez, aux filles, vous faire vire de votre tête, fun homme. Effrayez donc de refoudre cette énigme pour voir. Je me ferai une joie de résoudre votre énigme, madame. Mais nous n'avons pas à être présentés. Mais, vous voulez connaître mon nom? Comment fait pareil vous cette énigme? Non, jure, c'est des robots. En vrai, je pense que c'est des robots. Oh, l'énigme 102. Oh, on approche de la fin, les gars. Énigme 102. Attends, j'en ai loupé plein. As et Joku. Boulot à Marthe. Comment ça, moi? Ouh là là. Les gros cerveaux, attention. Vous venez d'étaler un paquet de 52 cartes ainsi qu'un joker sur une table. Face cachée, vous ignorez l'emplacement des cartes. Ok, bam. Vous commencez à retourner les cartes une par une, en supposant que vous ne pouvez pas retourner une même carte deux fois. Quel est le pourcentage de chance de retourner les 4 As avant le joker? T'as encore un truc de pourcentage de chance, Tommy. Tu as 52 cartes. Je sais pas écrire. 52. T'as 52 cartes. Commencez à retourner les cartes une par une. En supposant que vous ne pouvez pas retourner une même carte deux fois. Quel est le pourcentage de chance de retourner les 4 As avant le joker?
sur les 52, il y a un joker. Combien de chances, combien de pourcentage de chances de retourner les 4 as avant le joker? 100%? Non. Quand on compte le joker, c'est 53. On est allé à un paquet de 52 cartes. Ainsi qu'un joker sur une table. Ah, 52 plus un joker. My bad, il y a 53 cartes. Il y a 4 doublons de cartes à chaque fois. C'est impair s'il y a le joker. My bad, my bad, my bad. Du coup, 52 plus 1. My bad. Du coup, t'as 52 cartes. T'as... combien de pourcentage de chance? Vu que t'as des paires à chaque fois, bah, tu peux pas retourner deux fois la même carte. Mais ça, je vois pas en quoi ça pose le problème de retourner deux fois une même carte deux fois. Ça, on s'en fout en soi. Pourcentage de chance de retourner les 4 as avant le joker. Attends, vous commencez à retourner les 4 cartes, les cartes une par une. En supposant que vous ne pouvez pas retourner une même carte deux fois. Quel est le pourcentage de chance de retourner les 4 as avant le joker? Pour moi, c'est 100% du coup, vu qu'on est à 52. Oui, 52 plus 1, plus le joker, c'est précisé. PSG, on est out. Oh, nul le PSG. Boubou, 52 ainsi. Carte ainsi qu'un joker. Entre 60 et 70, je dirais. Du coup, 53. Avec ou sans remise? Bah, en gros... tu retournes des cartes une par une. Et pour moi, tu les remets à l'envers, tu vois. Tu retournes et tu la reposes. Et tu peux pas retourner deux fois la même. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas retourner une même carte deux fois. Quel est le pourcentage de chance de retourner les 4 as avant le joker? Ouais, en gros, une fois que tu l'as retourné, tu la touches plus. C'est quoi? Je vais relire l'énigme. Vous venez d'étaler un paquet de 52 cartes ainsi qu'un joker sur une table face cachée, vous ignorez l'emplacement des cartes. Du coup, 53 cartes. Vous commencez à retourner les cartes une par une. Bam bam. En supposant que vous ne pouvez pas retourner une même carte deux fois, quel est le pourcentage de chance de retourner les 4 as avant le joker? Dis-moi, Yohan. Les 4 as avant le joker. Tu n'as pas besoin de tout compter. Ça, c'est du niveau 3ème, ça, j'y arrive pas. Mais moi aussi, je suis nul. Tu n'as pas besoin de tout compter. Comment ça? Une fois sur 53, puis une fois sur 52, fois une fois sur 51, fois une fois sur 50. Je pense pas que c'est aussi compliqué. Combien tu as de chances de tirer un joker après 4 as? Quel pourcentage de chance de retourner les 4 as avant le joker? Ouais, une sur 5. Merci du follow, Clément. Non, combien... tu as de chances de tirer un joker après 4 as. Hey, comment va? Oh, Gali! Ça va et toi? Ça va et toi, Laros? Bah, c'est aussi con. En supposant que vous ne pouvez pas retourner une même carte deux fois, quel est le pourcentage de chances de retourner les 4 as avant le joker? Ah bah oui, c'est tout con! Mais oui, c'est tout con, on s'en fout des autres cartes! On c'est entre les as et le joker. Attends, quoi? Comment je marque, du coup?
Une sur cinq. Juste un ? Ah, c'est un pourcentage. Je suis un connard. Je suis un connard. T'étais pas en live, Gali ? Galipi ? Si les autres cartes ou pas sont... Ouais, non, mais en soi, oui. Tu peux retourner 35 cartes avant. On ouais, non, mais c'est vrai. Bon, vas-y, on essaye. Si c'est pas ça, tu te prends un Banyuan. Putain, les gros cerveaux, les gros cerveaux. Let's go. Vas-y, Gali. Gali, vu que t'es là. Prochaine énigme, c'est toi qui l'as fait. Non, mais j'ai fait un stream de 12 heures hier. Ah, 12 heures, ah, pas mal. Ça fait beaucoup, là, non? On pourrait croire au début qu'il faut prendre... Ouais, non, ouais, au final, c'est ce que disait Yuan. Je suis parti trop loin. Non, mais à chaque fois, on part trop loin, mais il faut penser que c'est un jeu de pour enfants. Quoi? T'inquiète. Oui, fais pas. Fais la bonne réponse. Un physique et un cerveau. Vous êtes un sacré type. Ça m'appelle Martha. Va voir vouer vos cartes. Vous savez? Va voir aussi les Félim qui utilisent les cartes. Ce sont mes préférés. T'apprécies aussi la compagnie des Flampumans, vous savez? Professeur, je crois que nous sommes attendus ailleurs. Nous devrions y aller. Plus t'es bête, plus t'es intelligent. Non, mais j'ai fait un stream de 12 heures hier. Attends quoi? Méfie-toi quand il annonce le pseudo d'une personne pour une énigme, si la personne se trompe, c'est un ban. C'est vrai. Et vous vivez dangereusement ici. Ici, on vit dans le danger. On aime le danger. What the fuck? Oh, y'aura pas d'énigme là. Je pense que c'est un cul-de-sac. Et on dirait bien qu'il n'y a pas d'autre chemin. En tout cas, cette tour a vraiment l'air sinistre. Je comprends pourquoi les villageois ont si peur. Examinons ce mur de plus près, il ne faut peut-être pas se fier aux apparences. C'est un faux mur, je le sens. Miam miam. Moi j'ai répondu juste. Je pense que c'est un autre chemin. Non non, attends, Agalipé, tu ne t'en sortiras pas comme ça. What? OMG, who are you, my friend? And who might you be? Qui êtes-vous? Je vous fais la traduction. Hein. Well, non, je préférerais ne pas... J'ai pas vu, il parle trop vite. Qu'est-ce que tu caches? Nous cherchons à entrer dans cette tour. Putain, dirait Ryan qui parle. OMG, l'animation meilleure que celle de Seven Dead. Des mots durs mais des mots vrais. Oh, le méchant. OMG. Oh, l'animation. Non. Cours-lui après, Layton. Rends mon modo. Ah oui, putain, tu l'as perdu. Qu'est-ce qu'elle nous voulait, hein? Je vais te rendre ça, attends. Professeur, qu'est-ce que c'est que ça? Un ticket pour un tour de grande roue. OMG! On va aller voir ton archer. Oui, c'est étrange, Luc. Il est possible que cette jeune fille l'ait fait tomber volontairement. Elle voulait peut-être nous indiquer notre prochaine destination. Mais pourquoi ferait-elle cela pour nous? J'ai juré, Seven Dead, c'est trop bien quand ça trash. Hein? J'ai pas compris. Elle est difficile à dire pourtant, Luc. J'ai le sentiment qu'elle essaye vraiment de nous aider. Eh bien, votre attention ne vous trompe jamais. Nous allons au parc voir cette grande roue de plus près. Let's go! On va faire un tour de grand... Oh! Nya, nya, nya. Oui, Layton, va faire un tour de parc. Il est grand temps que tu disparaisses. Pour de bon! What the fuck, les antennes qu'il a, le mec. Pire, je peux plus spam. Chercher un passage menant à la tour. Hey, Gali, j'espère que t'es toujours là. Hein. Attention, t'as pas le droit de partir tant que t'as pas fait de... Poc. T'as pas fait de... D'énigme, hein. Elle arrive l'énigme, t'inquiète. T'inquiète, Marus. Rendez-vous au parc. Oui, chef. Je suis là, t'inquiète. Ouais. Attention à toi. Une petite pièce SOS, bam. Tous les streamers qui lisent les messages du chat savent pas lire. Ah, c'est fou, hein. Attends, t'as dit quoi? J'ai juré, Seven Dead, c'est trop bien que ça trash. Non, mais j'ai juré, ta phrase ne veut rien dire aussi. On va aller tout. Attends, est-ce qu'il n'y a pas une énigme là-bas? Oh si! Peut-être lui! Vous aimez les énigmes, non? Eh bien, j'ai justement celle qu'il vous faut. Let's go, Gali, c'est à toi! Attention, pentagone caché. Qu'est-ce que c'est que cette énigme? Un certain nombre de pentagones sont cachés dans l'image ci-dessous. Combien parviendrez-vous à en trouver? Lorsque vous pensez avoir découvert tous les pentagones cachés
toucher réponse. Un patagone, ça a combien de côtés? Ça a 5 côtés déjà. On est d'accord. J'ai pas compris la question. Pentagone. Un certain nombre de pentagones. Quoi? Pentagone. Mais un. Comment ça, mon ref? Ben oui, ça a 5 côtés. Mais j'en vois 0, moi. Hein? Ça, c'est un pentagone? Ah. Alors, je vais pas te mentir, c'est compliqué, Galis. Bon, voilà. Ok, ça, c'est un pentagone. Deux, trois, quatre. Du coup, il y a quatre fois celui-là. T'as moyen de faire... On a 8 comme ça. Attends, mais quoi? Pentagone, c'est 5 angles. Bande de fraude. Ah, c'est 5 angles. Bah, en vrai, comment tu veux que je fasse l'énigme sur le jeu? Non, mais j'avoue que là, c'est compliqué. 1, 2, 3, 4, 5. Bah, j'en ai 5. 12. 8? C'est 5, là. Non, mais 8, du coup, ça fait 8. Genre, si tu fais 4 fois la même. En vrai, ça va, faut compter. 8, du coup j'en aurai 8. 8 plus 3, 12, plus 4, 7, plus 20, 22. On est bien, je dirais 42. Non, en vrai, j'arrive pas. Attends. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. C'est 12. 12. Est-ce qu'il n'y en a pas un autre? 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est ce que j'ai fait. Je pense que ça va être 12. Vas-y, on part sur 12. C'est la réponse de Gali. Si elle a faux, elle se prend un ban. Let's go! 1200%, 100% en plus, elle dit. There we go. Let's go, elle est pas ban. Fuck, il est la ban. J'aime tellement pas la géométrie s'armer. Non, bien joué. Ah, bah, c'est les formes que j'ai fait. Bien joué. Youhou. Non, mais celle-là, elle était trop facile. Je veux une autre énigme. Madame, vous êtes vraiment futé. Revenez, essayez des énigmes ces jours. J'ai pas vu la phrase. Je suis une merde, je lis trop vite. On me trompe. Mais quoi? Non, mais elle était trop facile, celle-là. Tiens, vous tombez bien, vous deux. C'est une information très intéressante pour vous. Mais vous tombez, vous devez raison, c'est une énigme. Trop facile, il a commencé par dire que c'était dur. Chocolat et amande. Vous avez acheté une tablette de chocolat que vous... prévoyez de déguster avec vos amis. Hélas, sur les 16 carrés, seuls 4 contiennent une amande. Pouvez-vous partager cette tablette de manière que les 4 morceaux aient tous la même forme et que l'amande soit placée différemment? En gros, il faut des formes différentes, mais avec une amande. Ça n'a pas la même forme. Retournement veste. Horrible les amandes, c'est trop bon les amandes. Alors moi je dirais que ça doit être un truc comme ça. Genre c'est une connerie comme ça pour moi je pense. Genre un truc... Non c'est pas possible. Les formes doivent être pareilles. Ouais les formes doivent être pareilles. Je sais. I know, les formes doivent être pareilles. Mais l'amande on s'en bat les couilles de où elle est. Du coup ça doit être des formes pareilles. Non mais il se passe quoi là? Si je fais ça. Mais j'avais raison, mais mon cerveau il est si gros. Oh, ça fait une croix bizarre là les gars. La croix elle est un peu chelou là les refs. On va vite cliquer. That should do it. Voilà.
Oh le van. Ah, I suppose I thought wrong. Quoi? Mais... Mais... Ça avait la même forme, non? Faites bien attention à l'emplacement des... Oh, mais je suis un connard! J'ai pas regardé ça! Putain, l'emplacement des amandes! Il y en avait deux qui devaient être pareils. Merde! Ah, oh, on est con. Vous êtes con, le chat, c'est de votre faute. En gros, sur ça, il y en avait une. Attends, si je refais. Oh merde. Il y en avait une en bas. Là, une là. Ah, il y en avait deux. Il y avait une là et une là. Putain! Putain, on est con, on est con, on est con. Mais déjà, il faut qu'il y ait 4 amandes ensemble. Vu qu'il y a une amande là et une amande là, c'est obligé que ça fasse, pour moi, ça. Par là, un L comme ça. Un L comme ça. Bah, un L comme ça. Ah là, ça fait plus de croix bizarre. Attends. Au bout. En haut. Merde. Fuck. En bas, bah c'est celui-là. Deux fois moins de follow que cette fraude, mais tu stream plus pas mérité. There we go. Vite, t'es une merde. Let's go. Faut faire quoi en fait? Bah, fallait faire ce que j'ai fait. Mais je fais le divertissement avant tout. Voilà. Mais je trouvais ça bizarre aussi qu'ils mettent une croix un peu bizarre dans le jeu. Je me dis, on voit. Alors, c'est vraiment si simple que ça. Oh, c'est vrai, je vous ai promis une info contre Twitch. Le mail le plus fin et délicieux de tout un mystère, le coq au vin du Michel, un vrai régal. Heureusement, vous trouvez aussi que sur la carte, le pire plan que vous pourrez jamais manger. Les cuisses sont vraiment atroces. Merci pour l'info de merde. Moi aussi, je t'aime. Speak fact. Croix, G, égale divertissement, putain. Non, mais divertissement, ta gueule. En tout cas, ce jeu, c'est toujours correct, je t'ai jamais vu te tromper. Ouais, pareil, je me suis jamais trompé. Ah, chapeau, chapeau. Tu as donné la pire réponse possible, en vrai. J'avoue. Non, mais il faut une autre énigme, là. On va aller là-bas. Allez, il faut une énigme, là. C'est le premier Layton que tu fais? J'ai trop envie de commencer, en vrai. Ouais, c'est le tout premier. Et je vais tous me les refaire. Parce que le Layton sur Switch m'a donné envie. Et avant, j'avais envie de les refaire. Et le Layton sur Switch, qui a été annoncé, m'a encore plus donné envie. Du coup, ouais. Là, je vais tous les refaire. Chaque fois que nous passons par ici, le parc est fermé. Je me demande bien pourquoi. Le trailer m'a donné trop envie. Ouais! Mais, bah, bonne chance, hein. Personnellement, heureusement Galchat, sinon j'irai nulle part. Hein. Mon cerveau, il est éteint. À chaque fois que je joue à ce jeu, mon cerveau, il est mort, il meurt. J'ai retrouvé la DA très sympa. C'est vrai, aussi. Go live ensemble. Oh, what the fuck, un live ensemble sur le professeur Layton. Mais, attends, merde, j'ai pas lu. J'ai pas lu. Mais si, j'ai lu. Ah, nous devons trouver quelqu'un. Ok, my bad. Allez, parlez au maire. Stream à 2 sur professeur Layton. Ça se joue à 2. Non, il n'y a pas de 2. Il n'y a pas de 2. La preuve, tu fais des dingues avec des... Lui, c'est le maire, non. C'est lui le maire. Non, c'est pas le maire, lui. Je sais plus. Tu dis bon, la crête du parc est verrouillée. C'est pas possible. La mairie en forme de gardien qui fait l'ouverture du parc. Gardien ou pas, la grille est verrouillée et nous ne pouvons pas entrer. Pourriez-vous nous ouvrir? Je vous en prie. Je vous prie. C'est quoi ma voix là? Oh, je me fais rire tout seul. Mais... Waouh. Très bien, où on peut trouver le gardien? Je sais plus parler. C'est une bonne question. Une très bonne question. Le gardien s'occupe du parc. Mais qui s'occupe du gardien? Aucune idée. Ce n'est pas dans mes attributions. Oh la barbe! Le gardien du parc est également chargé de l'entretien du tout. Viens maintenant, si vous n'avez aucune formule à vous demander, veuillez vous quitter les lieux. Je sais pas lire. La courtoisie n'est vraiment pas son fort. Hein. Fais un effort, pitié. Ah, mais c'est dur. Hein. C'est dur de rentrer dans le personnage et tout en même temps.
Il a pas de QI, Boots. C'est vrai que mon QI est négatif. Nous y trouvons peut-être un indice. Allons-y, je n'ai vu qu'un seul accès dans tous les villages. Ah oui, la bouche à égout sur la route qui mène au parc. Eh bien, je pense qu'on n'a pas le choix. En route. Genre Escape Academy. Escape Academy, ça me dit rien du tout. Venez, on l'aide pas dans le prochain pour voir combien de temps. Non, le prochain, c'est Gali qui s'en occupe. Là, le truc des losanges et tout, en vrai, c'était easy, quoi. Même Victonic a réussi. C'est pour dire... Oh ! À nouveau. Et il fait peur. Excusez-moi, seriez-vous par hasard le gardien du parc ? Pourquoi il fait le poisson ? Non. Je suis un explorateur del mundo. Pour l'instant, je m'imprègne de la culture locale. Oh, pardonnez ma méprise, monsieur. Bonne journée. Oh, attendez. Un memento. Un memento. Il vient de voir passer un homme en vêtements de travail. C'est peut-être le gardien que vous cherchez. Peut-être. Par où est-il parti? Et vers la droite, il me semble. C'est ton frère, Slow. Pero, c'était peut-être vers la gauche. Je vois. Êtes-vous sûr que tout va bien? Vous avez l'air un peu perdu pour un explorateur. Il voyage autour du monde. Je viens tout juste d'arriver ici. I don't know encore la locale, geographia, c'est tout. Je vois, veuillez m'excuser. Bien, nous allons nous remettre en route. Let's go. Attendez, comment puis-je me rendre El Viraglio? Donde está la gare? Je parle pas espagnol, moi je fais allemand. Enfin, j'entends déjà mon blas, c'est quoi le bac? J'ai juré c'était au babac. Alors, gauche ou droite? Droite. Je suis droitier. Oh! Oui, je suis. C'est l'ami du gadjo. Eh, bonjour. Je peux faire quelque chose pour vous? Vous êtes le gardien du parc, pourriez-vous ouvrir la grille, s'il vous plaît? Vous voulez le parc? Voilà qui est bien étrange. Je vais faire un plaisir de vous ouvrir, mais je suis occupé pour l'instant, je dois absolument finir cette réparation. Nous pouvons peut-être vous aider? Si vous proposez, je pourrais le finir en un temps seulement, j'ai une superficie à calculer. Oh non, des maths! Oui, vous y connaissez en superficie. Oh les maths! Oh merde! Allez, superficie, la superficie d'un carré, c'est côté fois côté. On est bon. Sylvain nous montre cette figure et vous demande de l'aide à mieux la comprendre. Ah putain, waouh, je sais pas lire. Sylvain vous montre cette figure et vous demande de l'aider à mieux la comprendre. La figure est composée de plusieurs carrés et de plusieurs cercles concentriques. Concentriques, déjà ce mot qu'il utilise personne. L'aire du carré bleu est manifestement plus grande que l'aire du petit carré rouge, ce qui est sûr. Mais combien de fois plus grande exactement? Il faut savoir combien de fois celui-là est plus grand que du coup celui-là. Ok. T'as un autre carré là. Il faut qu'on arrive à calculer la taille de ce carré. Mais comment? Vous allez me dire. Il faut calculer. J'en sais rien. Bon, je vous laisse, je décale. Vas-y, la bise, Vic. Bah wesh. 4, c'est pas dur. Concentrique, excentrique, pilométrique. Tu ne fais pas de sport. Ça se voit. 4. Comment ça, 4? 4 fois plus petit. Si tu le mets là, là, là. J'avoue, ça fait la taille. Il y a un écart entre. Attends, mais 4? C'est vraiment... Attends, mais c'est quoi la question? Combien de fois plus grande exactement? Ah. Putain, mais t'as été si vite, Gali. Mais attends, mais je passe pour un connard, là. Je passe pour une merde. Combien de fois t'as le carré rouge dans le... Non, mais en plus, c'est... C'est bon, pardon, je suis nul. There we go.
My bad, je suis une merde. Putain, c'était le divertissement, les gars. Je vous ai eu, c'était une boutade. Je l'ai su dès que j'ai lu l'énigme. Je l'ai vu. Même pas besoin de lire l'énigme. J'ai vu carré rouge, ok, 4 fois le pareil bleu. C'était facile. Divertissement avant tout. Beau travail. Laissez-moi le temps de finir et j'ouvrirai cette grille pour vous. Moi, de toute façon, je suis là pour divertir. Oui, mais pour faire les voix. Moi, je suis avant tout. Je joue à ce jeu pour faire des voix off. Les voix off. Pas du tout. Des doublages. Et voilà, c'est réparé. Allez, je vais ouvrir cette grille. En vrai, je suis graphiste, donc j'ai l'habitude. Madame, désolé de vous embêter. Pense ton écran. Bande de merde. C'est toujours correct. De mec, c'est toi, Boot. Comment ça? Chie, on est ensemble. What the fuck? Gali au-dessus de Slow en termes de graphisme. C'est pour ça que si je demande un truc, ça va être à Gali et pas à Slow. Parce que Slow est une merde. Allez, une seconde. Penche ton écran, je suis mort. What the fuck, l'animation? OMG. Toi, t'as le corps, nous le cerveau. C'est ça. Sale merde. Slow la merde. Et voilà, vous pouvez explorer le parc autant que vous voulez maintenant. Let's go, professeur, on a réussi à rentrer. Merci, monsieur. Vous nous avez beaucoup aidé. Oh, je dirais, ce n'est pas la peine de me réussir. C'est mon travail, pour tout. Ah bon, je voudrais tous les jours. Aujourd'hui, je vais jouer une sortie plus à ce parc. Merci d'être passé par ici. Cela fait longtemps que je n'avais pas fait mon travail. Faut que je retourne dans les égouts avant. J'ai pas été à gauche. On a été à droite directement. Je veux savoir ce qu'il y avait à gauche. Je viens de me poser la question, mais qu'est-ce qu'il y avait à gauche? Oh, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? C'est le vieux du début. Oh, eh bien... Non. Eh bien, vous avez l'air un peu surpris. Waouh! Continuez dans cette direction et vous rejoindrez la rivière qui entoure Saint-Mystère. Mais ne vous faites aucune illusion, il est impossible de la traverser. Oubliez donc l'idée de retourner à la civilisation. Vous n'avez qu'à vous installer ici. J'imagine que la nouvelle est difficile à digérer. Allez, je vous propose une petite énigme pour remonter. Le moral. Let's go. J'ai donné un stream pack à Ethan. Oui, j'ai vu. Pas mal, pas mal. Moi, ce jeu, je tenterai la lire. C'est vrai. Attention, c'est let's go. En vue de votre déménagement, vous avez emballé vos affaires dans 20 cartons que vous avez ensuite empilés comme ci-dessous. Vous voulez à présent inscrire leur contenu sur chacun d'entre eux. Mais pour cela, il vous faudra auparavant en déplacer quelques-uns. Combien de cartons ne sont pas accessibles à l'état actuel des choses? Combien de cartons? Du coup, on ne peut pas... Attends. Vous avez emballé vos affaires dans 20 cartons. Vous avez ensuite empilé comme ci-dessous. Vous voulez à présent inscrire leur contenu sur chacun d'entre eux. Du coup, sur 20 cartons. Mais pour cela, il vous faudra auparavant en déplacer quelques-uns. Combien de cartons ne sont pas accessibles? Du coup, toute la ligne... Là, toute la ligne... Elle est accessible, on est d'accord. Toute la ligne est accessible. 1, 2, 3, 4. Là, il y en a 4 derrière qui sont accessibles, comme il peut me marquer sur le côté. Attends, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Ensuite, ceux-là, ils sont accessibles facilement. Ceux-là, accessible. Ceux-là, accessible. Bah, toute la partie là-bas, accessible. Celui-là, accessible. Du coup, il y a 1, 2, 3, les 3 cachés en dessous, qui ne sont pas accessibles. On est d'accord. 6. Ceux qui sont mis. Bah, je dirais ça. 3. Moi, je partirais sur toi. Non, pas 6. Ah oui. Je dirais 3. Comme en gros, c'est dit inscrire. Tu peux les inscrire n'importe où. Là, les 4 derrière, tu les inscris. Devant, tu les inscris. Celui-là, tu les inscris. Celui-là, tu les inscris. Celui-là, tu l'inscris. Mais de l'autre côté, du coup, celui-là, les deux au-dessus... Plus les 3 qui sont là, plus les 3 en bas, tu les inscris. Comme en gros, il y a une face de l'autre côté, tu vois. Tu te retournes en face du carton, tu les vois. Et tu peux marquer sur le côté. Du coup, il y a ceux qui sont au mid, comme dit Kali. Celui-là, et celui-là, tu peux pas. Du coup, 3. Faut pas m'écouter, j'ai un cul de 85. Pourquoi vous l'idée? Non, en vrai, je l'avais direct, celle-là. Hey. Là, mon cerveau, il a fonctionné, ok? Là, j'avais un gros cerveau. Eh ben, quand tu veux, tu peux. Vous avez vu? Bien joué. J'admire votre passion pour les animes. Je vais vous dire, je vous aime bien. Merci, mon ref. Alors, dépêchez-vous de vous installer ici.
Vous êtes la bienvenue à Saint-Mystère. J'ai pas envie de m'installer ici, là. L'ambiance est bizarre. Deux énigmes, je dis non, pour what the fuck. T'as toujours dit non, Piwan. Je t'ai jamais regardé. Toujours correct, je vais m'énerver. Non, mais Gogeta. Gogeta. Comment dire On a fait une faute quand même. Peut-être on a fait une faute avant que t'arrives. Hein. Mais on a fait une faute tout à l'heure. Hein. Et sur le replay qui est sur mon YouTube, le replay de ce matin, on a fait deux fautes aussi. C'est pas quelque chose de triste, vous ne trouvez pas? Tout est rouillé, laissé à l'abandon. Sylvain, disait vrai. Il semble que personne ne soit venu ici depuis bien longtemps. Bien, au travail. Nous allons jeter un œil près de la grande roue. Je pense que nous trouverons quelque chose d'intéressant par là-bas. On clique, on clique, on clique, on clique, on veut des pièces SOS. Ok. Droite ou gauche? On va tout droit. On va être... Tiens donc. Qu'y a-t-il, professeur? OMG. Regardez cette affiche. L'image est la même que celle du ticket que nous avons trouvé. On dirait que l'affiche est ici depuis des années. On peut à peine lire son texte. Mais attendez. Mais on dirait... Oui, c'est bien ce que je pensais. C'est la petite Flora, là au milieu, non? Cette image ressemble beaucoup au portrait que nous avons vu au drame noir. Il semble que le baron a créé ce parc d'attractions spécialement pour sa fille. C'est étrange. Je me demande pourquoi les villageois n'en profitent pas. Étrange. Enfin, échafauder les hypothèses ne nous fera pas progresser. Continuons. Il parle tellement bien que j'arrive pas à comprendre certains mots qu'il dit. Hein. La phrase de Varga. Oui, professeur. Alors. Bon, on va tout droit toujours. Je vais aller tout droit. Quelle belle journée, le PSG qui perd. Que vous demandez plus. Oasis pomme, cassis framboise, oasis tropical. Je suis plus team oasis tropical, désolé. Cet endroit est vraiment dans un triste état. On dirait qu'il est plus entretenu depuis longtemps. C'est dommage, je suis sûr qu'on s'amusait beaucoup ici. Ah bon, il y a même un chapiteau de cirque. Arrête de le knife par. Qu'est-ce qu'il me raconte? Je comprends ce que tu ressens, Luc. Cet endroit dégage une réelle aura de tristesse et de nostalgie. Cosmo, t'es là? Je pleure, bébé. Ah, pour ton foot? Nul. Sale merde, Loan. Ton équipe nulle. Ce chapiteau m'intrigue. Il appartenait sûrement à un cirque itinérant. Pourquoi l'a-t-il les abandonné à Saint-Mystère? Cosmo, t'es là ou pas? Je suis sûr que la grande roue est en ruine, elle aussi. Cosmo, la prochaine énigme, c'est pour toi, sinon t'es ban. J'imagine que nous n'aurons pas l'occasion d'utiliser ce ticket que nous avons ramassé. Eh bien, nous avons autre chose à faire qu'un grand tour... qu'un tour de grande roue. Tu n'es pas d'accord? Non. Si, 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 si. Si, 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 Cosmo. La prochaine est pour toi. Je suis trop con, moi. T'es plus con que moi, t'es en train de me dire? Étonnerait. Bah là, de toute façon, là, on découvre l'histoire. Là. Bah, on découvre l'histoire. Le fameux l'histoire. Voilà donc la grande roue que nous cherchions. Luc, tu devrais jeter un œil. Avertis-moi si tu vois quoi que ce soit qui sort de l'ordinaire. Compris, professeur. Trois petits points. Trois petits points? As-tu remarqué quelque chose d'étrange, Luc? Non, rien, du tout. Il n'y a peut-être pas de secret dissimulé derrière cette grande roue, finalement. Cela reste à prouver. Explorons un peu mieux les alentours, d'accord? Trois petits points. L'archer va te sauter dessus. Comment t'as bonne 10 minutes avec 4K points? À qui? À moi? Non. Alors. La grande roue. Trois petits points. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais cette grande roue a quelque chose d'étrange. Je demande si nous n'aurions pas manqué un indice important. Au fait, Luc, connais-tu cette belle énigme à propos d'une grande roue? Let's go! Cosmo, sors ton gros cerveau. Big brain. 50-50, la grande roue. Je vais t'aider si tu veux. Laissez Cosmo réfléchir un peu avant de donner la réponse. Et laissez-moi réfléchir aussi avant. Il y a 10 nacelles de 2 places accrochées à cette grande roue, qui tourne de telle manière qu'une nacelle passe devant la sortie toutes les minutes. Ok, toutes les minutes, du coup, une nacelle passe. La grande roue ouvre à 10h du matin et ferme 30 minutes plus tard. Combien de personnes au maximum ont pu faire un tour de roue durant ces 30 minutes? Ryan, ton cerveau. Du coup, tu as 10 nacelles.
Du coup, tu as... oui, 20 personnes quand la roue est pleine. 20 personnes quand la roue est pleine. Du coup... Première minute, comme première minute, t'en as 2. Deuxième minute, t'en as 4. Troisième minute, t'en as 6. Quatrième minute, bah tu fais 2 fois 30, t'en as 100. Non ? Tu fais juste 2 fois 30, non, t'en as 100. Et à la fin, les gens descendent juste. Je crois, hein. Attendez, je suis con. Ah, je suis con. 42. 42. 600. Attends, quoi? Non, mais je suis con. Attends, 1 minute, t'en as 2. 2 minutes, t'en as 4. 3 minutes... T'en as 6, 4, t'en as 8, 5, t'en as 10. Ok. 6, t'en as 12, 7, t'en as 14, 8, t'en as 16, 9, t'en as... Ah mais pourquoi j'ai dit 100 ? Pourquoi j'ai dit 100 ? Attends, 9, 16, je sais pas pourquoi, comment j'ai réussi à aller à 100. J'ai fait 2 fois 30. Mais j'ai fait 2 fois 30, et vu que ça faisait 1 heure, je me suis dit c'est 100. Oh le con 9, t'en as 18. Et 10, t'en as 20. Ok. 11, t'en as 22. 12, t'en as 24. 13... T'en as 26. 14, t'en as 28. Et 15, t'en as 30. Ils vont se... On va au but directement. Pourquoi 21? En une minute, t'en as 20. Mais non, tu commences pas la roue à 20 personnes. Oui, c'est toujours le double. Et à 30 minutes... Attends. On peut faire un tour durant ces 30 minutes. Un tour entier. Parce que les derniers, ils n'auront pas fait un tour entier, c'est ça? Mais ils vont pas les laisser. Ils vont pas les laisser. Et bah à 15 minutes t'étais à 30 personnes. Du coup à 30 minutes tu seras à 60 personnes. 60 personnes qui sont rentrées dans la roue. Est-ce que tu comptes les dernières entrées? À 30 c'est fermé. Ah mais après du coup, ah ils font plus monter. Bah en fait, question. Est-ce que genre, du coup ça ouvre à 10h. À 10h30 genre, et ferme 30 minutes plus tard. Ça veut dire qu'ils ferment 10 minutes plus tôt. Oui, la roue est pas pleine au début, ça je sais. Est-ce que genre, il ferme la roue plus tôt pour avoir 0 personne à l'intérieur? En fait, c'est soit 60, si en gros les derniers rentrent à la 30 minutes et t'attends de faire un tour. Mais on peut faire un tour durant ces 30 minutes, juste ces 30 minutes. Du coup, pendant ces 30 minutes, t'enlèves du coup... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9, du coup, 9 personnes. 9 fois 2, 18. Du coup, 60 moins 18. Et 42. I think I've got it. Ok. Non mais ça, j'avais compris qu'au début qu'il y avait personne dedans, ça c'était sûr. Mais je me demandais si... Mais après ils ont bien précisé 30 minutes aussi. J'ai mal réfléchi, ok, je suis une merde, voilà.
Voilà. C'est bon. Excellent travail, mon garçon. Explorons cet endroit à nouveau, nous avons peut-être manqué quelque chose d'important. Mais Ryan avait bon, ça va, t'as de la chance, t'es pas bonne. À deux doigts du bon, quand même. Regardez, professeur, on dirait qu'il y a une drôle de petite cabane là-bas. Merci du follow, Drox. Comment on installe Duel de Pirate sur PC? Sur BlueStack, tu télécharges BlueStack et tu vas chercher Duel de Pirate. Voilà, tout simplement. Intéressant, cette cabane semble distribuer l'eau dans la canalisation du village. Je crois que cela mérite que l'on aille la boire de plus près. Tiens, tiens, tiens. La porte est verrouillée, on ne peut pas entrer. Allons bon. Allons donc explorer le reste du parc. Luc. Luc dans la comparaison de la phrase. C'est ça. Comme moi je pensais, en fait, de base, j'ai lu la phrase et je pensais qu'en fait, c'était combien de personnes vont faire le tour en 30 minutes, du genre tant que c'est ouvert en fait. Et pas en 30 minutes pile. Ou tant que c'est ouvert, tu vois. En gros, tant qu'ils ont pas fermé complètement, combien de personnes vont faire le tour. Du coup, c'est pour ça que je prenais 60, comme je me suis dit, ils vont rentrer. On va dire que les derniers rentrent à 10h30 et du coup, ils vont le laisser faire le tour. Avant de fermer complètement. C'est pour ça. Il faut bien comprendre la phrase. Je suis une merde. Vrai. Enfin bref. Je pars trop loin à chaque fois. C'est 4 et la porte s'ouvre. Vas-y. Oh, c'est le retour du... Du voilà. Regardez ce que j'ai trouvé par terre, professeur. Tiens donc, la page d'un carnet. Solo, tu le vois, celui-là? Veux-tu la lire à boîte? Bien sûr, professeur. Ok, va voir. En grandissant, la petite semble comprendre de mieux en mieux le secret de ce village. Cependant, je crois qu'elle se sent un peu seule. C'est sans doute pour ça que le patron ne veut pas que je lui construise un parc d'attractions. Oui, j'ai encore du travail qui m'attend. Cette petite dont il parle est certainement Flora. Le parc a été créé rien que pour elle. Je ne comprends pas le début. C'est quoi le secret de ce village? De quoi parle-t-il? Mais moi, j'ai le secret depuis le début, je suis sûr. Je n'étais vraiment pas prêt à accepter la mort du patron. La pauvre petite est seule au monde, désormais. Mais peu importe ce qui va arriver, je dois continuer à prendre soin d'elle pour le patron. Moi, je suis sûr, j'ai... d'astraction. J'ai dit astraction? Je suis une merde. C'est la fin de la page. Le baron aimait sa fille plus que tout le monde. Le destin est parfois si cruel. Ce monde est cruel. J'ai pas trouvé d'autres conclusions. Oh! Regardez, professeur, il y a une ligne cachée ici. OMG. Attendez les lignes avant. Le plus grand total. Le plus grand total, ça veut dire quelque chose, ça? 9 carrés sont creusés dans du bois. Vous devez placer 9 nombres différents, situés entre 1 et 51, de telle manière qu'en additionnant toutes les lignes horizontalement et verticalement ou diagonalement qui passent par le casse-centre, la somme des 3 nombres soit exactement la même. Bien qu'il existe de nombreuses configurations possibles, votre but est de trouver celle qui vous permettra d'obtenir la plus grande somme. Dans cette configuration précise, quel nombre occupera la case du milieu? On veut du coup que si par exemple tu mets 5 ici et que tu mets... Attends, on veut en gros que ça fasse le même chiffre. On va dire X. Alors le pack opening, déjà fini mon ref, t'arrives un peu tard. Replay sur mon YouTube vendredi. Si tu nous passes 8-4, je rajoute. Du coup, je pense pas que ça soit 51. 51, c'est un chiffre impair, c'est chiant. Pour moi, ça sera 50. Ou un chiffre pair. 5. Là, qu'il existe de nombreuses configurations, votre but est de trouver celle qui vous permettra d'obtenir la plus grande somme. C'est compliqué, attends. La plus grande somme. Donc, on va faire une configuration précise. Quel nombre occupera la case du milieu?
Je suis pas sûr que ça soit 50 au final. Pourquoi 50? 51 c'est plus gros. Ouais, mais en gros, il faut que ça, ça, ça et ça, ça égale le même chiffre. Et je me dis 51, c'est un chiffre impair. C'est chiant. C'est chiant à donner un même chiffre avec un chiffre impair qui est le même au milieu. En gros, vous devez placer 9 nombres différents situés entre 1 et 51. De telle manière qu'en additionnant toutes les lignes. Toutes les lignes horizontales, verticales ou diagonales qui passent par la case centre, la somme des 3 nombres soit exacte. En gros, si tu fais ça plus ça plus ça, ça plus ça plus ça, ça plus ça plus ça, et ça plus ça plus ça, ça égale, on va dire, le même nombre qui égale à x. Ok ? T'as compris. Bien qu'il existe de nombreuses configurations possibles, votre but est de trouver celle qui vous permettra d'obtenir la plus grande somme. Ou là, on veut que ça et ça, que x soit en gros une grosse somme. Je sais pas combien, mais on veut que ça soit une grosse somme. Du coup, on veut savoir c'est quoi le chiffre au milieu. Moi, je partirais sur 50. 51, je me dis c'est trop. C'est impair, c'est chiant. Ouais, et c'est les chiffres à côté qu'il faut ajuster. Tu mets 51 au milieu. D'un côté, t'as un chiffre pair et de l'autre, impair. T'as un pair, c'est tout. Ah, je sais pas. Ah, mais tu peux pas mettre deux fois, je pense. Ouais, 9 nombres différents. On va dire si on met 50. 50, ça fait 101. Et là, du coup, on va mettre un 9, ça fait 120. Je pense pas que c'est le plus gros que je puisse. Là, on va mettre 49 et 10. Ça fait 120. 120. 110 plutôt, je suis une merde. Mais 41 au milieu. 9. 41 au milieu. Comment ça? J'ai pas compris. Et c'est pas marqué que ça doit être forcément pair, non? Non, c'est pas marqué, c'est pas marqué. Faut juste qu'en gros, la somme de ça, ça, ça et ça, ça égale le même chiffre et que ça soit la plus grosse chiffre, la plus grosse somme. Ah, mais de 41 au lieu de 9. Putain, je vais au milieu. Merde. Oui, je sais pas lire. Oh, j'avoue qu'elle me pète les couilles, cette énigme. Elle me pète les couilles, cette énigme, putain. Mais pour moi, si on met 51, en fait, c'est... C'est trop gros. C'est trop gros. C'est trop gros 51. Genre je sais pas pourquoi je le sens pas que ce soit 51. Après la dernière fois que j'ai dit ça, je sens que c'est D. Et ben c'était pas la meuf qui mentait. Du coup je sais pas, j'arrive pas. Je pense pas que ce soit 51. Les 9 nombres doivent être différents. Les 9 nombres doivent être différents. Ouais. Ton intuition est gaze. Quarante-six, quarante-cinq, quarante-six, quarante-cinq, quarante-huit, quarante-trois, quarante-neuf, quarante-deux. Bien la même chose à chaque fois. Ouais. Ouais. 48, 49, 47, 43. Non, 47, 47, 44. De toute façon, nous, on veut juste le nombre au milieu.
Mais ça a l'air de passer ton truc. Mais est-ce que c'est le plus gros chiffre qu'on peut faire? Bah, je pense, du coup. Vas-y, on part sur ça. Hein. Ça me paraît trop simple. Je... Merde. Change 47-48. Non, mais ça change rien dans tous les cas. Non, quoi, Johan? Attends. En soi, si, il avait plus gros chiffre, il pouvait pas faire mieux. Il pouvait pas faire mieux pour moi. Oui, pas 52. Non, mais j'avais mis un 1, mais ça a 1002. C'est pas moi qui ai 1002. Sale merde. Pour moi, ce qu'il a dit, c'était... C'est pas le total du nim que tu dois donner. Non, non. Dans cette configuration précise, quel nombre occupera la case du milieu? Vas-y, on essaye. Well, here's my guess. Évident, mais... C'était tellement évident que ça me paraissait pas évident. C'était tellement évident que je me suis dit un piège. Tout, j'ai réussi, ce n'était pas gagné. C'est bizarre. En vrai, c'était tellement évident que je me suis dit qu'il y avait un piège. Tiens, voilà là. Alors, comment vous trouvez votre parc charmant, c'est beau. Soleil brille aujourd'hui et je suis très bonne humeur. Vite ça, je vous propose une de mes ennemis préférées. J'ai tout donné. Je vais mal dormir, bébé. M'en fous. Je suis tout de travers en ce moment, ça me saoule. Bah, écoute-moi, écoute le son de ma voix. Fuite du réservoir. Voilà. On verse de l'eau dans un réservoir de 2,5 mètres de profondeur pendant 8 heures. En commençant à 9 heures du matin, le niveau de l'eau monte de 60 cm au cours de la journée. Cependant, il semble que le réservoir soit percé. Car le lendemain, le niveau d'eau est descendu de 20 cm. Oh, ça me dit un truc. Si le réservoir continue à se remplir à chaque vitesse, soit 40 cm par jour, au bout de combien de jours commencera-t-il à déborder? Attention, il y a un piège, comme je suis sûr, il faudra rajouter un. Ah non, il faudra pas rajouter de plus 1. Comme en gros, c'est 40 par jour. Et c'est le lendemain qui perd 20. Ah si, il faudra rajouter un plus 1, je pense. Bah 4, 8. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Et... 20, 24 et 28. Mais il va déborder avant qu'il se vide. Du coup, c'est pas 28, ça va être 24. Hop, c'est 6 jours. Voilà, cerveau. Comme on pense qu'on fait 4. Sauf qu'il va déborder avant de se vider le lendemain, comme c'est pendant la nuit qu'il se vide. Bisous au Cunit, t'es beau. Du coup, il va déborder un jour avant de se vider, du coup, au sixième jour. On est d'accord? 40, 80, 120, 160, 200, 224. Sauf que vu que ça se remplit à 60, ça fait 260. Et ça fait 250. Du coup, ça va déborder au sixième jour. Pour moi, j'ai un gros cerveau, c'est 6. Je vais dormir, je suis fatigué. Vas-y, avise. Ah, tout le monde qui s'en va? Ou deux fake? Let's go. Bonne soirée, Yohan, et bonne soirée au Kinid. Salut à tous, je suis un peu en retard. C'est lui, Greg? T'es un peu beaucoup en retard, oui. Bonne réponse. Voilà. Putain, j'ai un gros cerveau. Chacun sait cette énigme. Oh. Rien ne vous résiste, on dirait. Au fait, au sujet de ce parc, il n'y a pas été bien entretenu et Harouille a tout envie. Vous approchez pas trop des endroits plus déabrouillés, d'accord? Un petit violon, c'est pour lui. De toute façon, je vais pas tarder non plus, il va être minuit là. Je vais pas tarder. On fait encore un peu. Et je vais pas tarder. On a fait le tour du parc là? Dernière? Vous voulez qu'on fasse une dernière là?
Ah mais j'aimerais bien. Alors finalement ce ticket qui nous avons ramassé ne nous aura mené à rien. On le dirait. Il semble que l'intuition m'ait trompé cette fois, Luc. Viens, retournons au village et essayons de trouver une autre piste. Après moi je pars dans tous les cas. Oh, attendez, animation. Oh, qu'est-ce qui se passe? La roue qui bouge toute seule. Oula, la roue. Elle est possédée. Vite, Luc, cours. OMG, OMG. La roue. OMG. Oh la dinguerie. Bon, ça, la roue, elle tourne. C'est bizarre, moi. Elle est bizarre, cette roue, elle est possédée. Allez, Layton, cours! Cours, Layton, cours! Bizarre, bizarre, cette roue, hein. Possédée, là. Elle est possédée, cette roue. La roue, elle tourne, ça. Ouais. Bizarre, bizarre, cette roue. Elle était télécommandée. Hop là. Quelle aventure. Pourquoi une grande roue, nous? Professeur, regardez dans quel état est cette cabane. Elle a été détruite par le passage de la grande roue, on dirait. Si on avait fait un seul faux pas, on aurait fini comme cette cabane, nous aussi. Ça aurait été triste. En tout cas, on a eu chaud. Je crois que j'ai trouvé quelque chose ici, professeur. Qu'est-ce que ça peut bien être? Tiens donc, pourquoi installer un accès aux égouts dans un endroit pareil? Tiens, 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 il pourrait s'agir d'un souterrain menant à la tour. Nous devons nous en assurer. Viens, Luc. Je suis pour leur faire ça. T'as pas compris. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Elle était télécommandée, la roue, arrête. Il fait tout noir là-dedans, j'espère que je ne vais pas tomber. Blah. Ah, en plus il fait froid. Il a pas crié. Regarde bien où tu mets les pieds, Luc. Bien, nous devons chercher tout ce qui peut paraître suspect ou incongru. Hop là. Ah bah c'est suspect. Regardez, il y a une sorte de tablette en pierre incrustée dans le mur. Évident que nous sommes devant une sorte d'énigme. Si nous la résolvons, alors elle nous indiquera probablement la direction à suivre. Let's go, elle est la dernière énigme, après on va arrêter. Let's go. À la croisée des mondes, pas du tout ça. T'as dit la roue tourne, comme elle change de direction, mais aussi c'est normal qu'une roue tourne, c'est le but. Ah putain, waouh, j'avais pas capté, ok. Vous vous trouvez à un croisement et vous ignorez qu'il faut emprunter la voie de gauche ou de droite. Votre intuition vous dit que le panneau qui se trouve en face de vous a pour but d'indiquer le chemin à prendre. Trouvez parmi ces traits une flèche qui corresponde à celle qui se trouve à droite. Une fois que vous l'aurez trouvée, tracez les contours. La flèche que vous cherchez n'est peut-être pas de la même taille que le modèle. Elle fait ça, ça, ça. Ok. Plusieurs flèches, ces bâtards. C'est possible qu'elle soit pas ici, hein, la flèche. C'est peut-être trompeur, ça. Elle est peut-être... On va qu'elle fasse ça, 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 ça. Ça, ça, ça. Non, ça marche pas. Là, j'avais un truc, mais bon, c'est pas la bonne flèche. On va regarder toutes les pointes. Là, là. Là, y a pas de pointe. Là, pas de pointe, pointe, pointe. Là tu peux faire mais ça marche pas, il n'y a qu'une moitié. Là, non, il manque un trait comme ça. Là par ici,
En petit. Ça m'étonnerait. Ah si, en petit là. Non mais ça passe pas. Ça passe pas non plus. Là, mais là. Il faut vraiment que la flèche fasse ça, on est d'accord. Je pense pas, ouais. Là, il y a une flèche. Sauf que la flèche, elle fait ça, quoi. Est-ce qu'elle peut faire ça, la flèche? Sinon, j'avais un truc en grand milieu vers droite. En grand au milieu vers droite. Hack. Genre zone 1, 2 ou 3 ou 4. Genre il y a une zone là, tu vois, avec des traits. Déjà. 1, 2, 3 ou 4. Truc en grand milieu vers haut droite. La diagonale de la coupe. Pas compris. ça doit être celui-là que t'as, non? Celui-là est trop simple. Est-ce que ce serait pas un grand truc comme ça? Non, c'est même pas... En soi, c'est même pas... C'est un peu arrondi. Genre, c'est peut-être un truc comme ça. Celle-là, il y a moyen de faire un truc. Celle-là, il y a moyen de faire un truc. Ah non, et le croisement, il est là. Ça passe pas. Ça passe pas sur la ligne droite. Refais les lignes qui étaient pour moi. Celle-là. Non. Bien. Ah, c'était laquelle? Celle-là? Je sais même plus laquelle j'ai fait pour toi à l'instant. Je sais même plus laquelle j'ai fait pour toi. Je suis une merde. Celle-là. Non, je sais même plus celle que j'ai fait pour toi. Je suis une merde. Ah, mais d'ailleurs, il faut que ça coupe un endroit. C'est droit, là c'est pas droit. Là c'est trop loin. Celle que tu répétais ce que je voulais faire. Non, celle pour que tu répétais ce que je voulais faire. Ah, attends, quoi? J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre ce que tu me dis. Dis bien. Refais les lignes qui étaient en face avec les diagonales haut gauche et bas droite. Diagonale haut gauche. Celle-là? Non, c'était pas celle-là. Thank you.
Y'a celle-là. Qui correspondent à cette flèche. Elles correspondent pas totalement en soi, vu que... Bah, vu qu'elle est droite, là. Après, on peut essayer, hein. Je vois pas mieux pour l'instant. La flèche que vous cherchez n'est peut-être pas la même taille que son modèle. J'ai pas mieux, à vrai dire. Ça se trouve, c'est pas ça. On va essayer, on va regarder un peu une autre. Comme pour moi, ça doit être droit, tu vois. Trouver. T'as trouvé ? Ouais, c'est pas ça. Pour moi, ça doit être droit avec des carrés, du coup. Il va faire un truc avec des carrés, quoi. Elle est côté à droite. Je regarde à gauche, moi, là. Là, je regarde là. Lui, il l'aurait trouvé. Est-ce que... Attends, il faut regarder les diagonales. Celle-là, elle touche 2. Celle-là, elle touche 2. Celle-là, elle touche 2. Celle-là, elle en touche qu'une. Celle-là, elle en touche une. Celle-là... Je suis plus sûr. Sa mère. Alors, on va tester toutes les traits avec celui-là. Tous les traits, du coup. Ça, ça, non. Ça, ça. Ça, ça, c'est non. Sympa. Ça ressemble pas trop. Ça, ça. Le croisement sur une ligne, il est là avec celui-là. Ça m'étonnerait, c'est pas trop symétrique. Ça, ça, on peut, je pense. Celui-là, celui-là, c'est mort. Celui-là, celui-là, c'est mort. Celui-là, celui-là, c'est mort. Et celui-là... L'autre, il est trop loin, là-bas. C'est mort. Ce trait est pas bon. Celui-là. Celui-là, celui-là. C'est trop rapproché. Celui-là, celui-là. Celui-là, celui-là. Garde les diagos et fais-en... Oh putain, sa mère. Sa mère, cette dernière énigme me pète le cerveau. Mais déjà, il faut que ça soit bam bam. Il faut que ce soit bam bam. Et là, c'est pas bam bam. Si, c'est bam bam. C'est bien bam bam, là. Bam bam, là c'est bien bam bam, sauf que là, t'as celui-là. Ah, attendez. Non, c'est pas bon, ça fait un petit truc de merde. Elle est trop moche la flèche.
moi c'est pas celui-là. Pour moi c'est pas celui-là. Oh putain de sa mère. Celle-là, ça passe, non? Ça m'étonnerait. Celle full droite. Comment ça, celle full droite? Ah, mais là, il y en a... Oh, putain, je suis un connard. Oh, je viens de l'avoir en 2-2. Oh, je viens de l'avoir en 2-2. Oh, je suis une merde. Je sais pas la dessiner. Putain, je l'avais pas vu. Luke, here's my answer. Je l'avais pas vu. Ouais, ça marche très bien, elle est parfaite. Je l'avais vraiment pas vu celle-là. Oh, je suis une giga merde. Je l'avais pas vu. Je regardais autour du point où il y avait tout, je suis un connard. Dans votre réponse, nous allons prendre le couleur de gauche. Compris, mon professeur. Line. Bon, allez. GG. Merci, merci, merci. J'étais très nul. 78, 74. Ça va, on est bien.